Bonjour à toutes et à tous, c'est Aeroncraft. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner l'œuf de l'Oslo. Alors, pour faire l'œuf, il vous faudra du jaune très clair, du marron très clair et du marron assez foncé quand même. Quand même très foncé, voilà. Donc, vous allez commencer par prendre votre marron clair. Vous allez faire deux horizontalement. Vous allez partir en descendant de 1 en diagonale. Ensuite, vous allez prendre votre marron foncé. Alors oui, il va y avoir beaucoup de jeux. Marron foncé, marron clair, marron foncé, marron clair. Marron clair, ça va être quelque chose. Vous êtes toujours en diagonale. Vous allez faire 3. Et là, vous allez faire 1 sur le côté. Ensuite, vous allez reprendre votre marron clair. Vous allez faire 1 ici, donc en dessous du petit 1. Vous allez faire 2 en descendant, toujours en diagonale. Et vous allez faire 3 après. Ensuite, vous allez reprendre votre marron foncé. Et vous allez faire 3. Alors, vous partez d'ici. Là, on va rentrer un petit peu. On va faire 3 en descendant. Voilà. Après, vous allez faire... Après, vous allez faire 3 en descendant en partant de celui-là. Donc, en partant les deux. Donc, ça, c'est juste un petit hop. Enfin, moi, j'ai un petit hop. Voilà. Mais là, vous allez faire 2. Pas 3. 2. Ensuite, vous allez reprendre votre marron clair, très clair. Vous allez faire 1 en diagonale dans les petits coins là, et vous allez refaire 1 ici. Et après, vous allez prendre votre marron foncé. Ah oui, ça joue beaucoup, comme je vous l'ai dit. Vous allez faire 2. Voilà, et vous allez reprendre encore votre marron clair. Et vous allez faire sur le côté. Ici, vous allez faire 2 horizontalement en diagonale. Vous allez remonter de 3 ici. Vous allez prendre votre marron foncé. Vous allez faire un carré. Ce sera là. Ici. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez bien mes petits points. Et si j'étais assez clair. Parce que c'est un petit peu complexe celui-là. Ensuite, vous allez reprendre votre marron clair. Vous allez faire ici. 1, 1. Vous allez remonter de 2. Ensuite, vous allez reprendre votre marron foncé. Vous allez faire 2. Vous allez faire 2. Vous allez faire 2. Et vous allez refaire 2. Et là, votre carré est en marron foncé. Voilà. Donc là, on a déjà le contour. Ensuite, vous allez garder votre marron foncé. En partant d'ici, vous allez descendre, là ça sera en jaune, et ici, vous allez faire un carré, comme ça. Vous mettez sur pause pour bien visualiser. Ensuite, en partant d'ici, toujours avec votre marron foncé, nous n'avons plus besoin aussi du marron clair, très clair, si vous avez colorié, logique. Et après, vous allez faire 2, vous n'allez pas les colorier. Après le troisième, vous allez faire une sorte de 2 et vous allez redescendre de 1. Voilà. Ensuite, vous allez partir de par là, enfin d'ici quoi, votre 3 ici. Non, vous n'allez pas partir de là. Oubliez ce que je viens de dire. Non. Alors, vous allez partir d'ici. Vous allez faire 3 petits bouts là, ici. Vous allez faire 3 horizontalement. Vous allez refaire 3 horizontalement. Et là, pour avoir 3 ici, vous allez faire 1. Voilà. Donc bah, après, bah, tout l'intérieur, c'est en jaune. Alors, dites-moi aussi dans les commentaires si vous voyez bien le jaune. Parce que je l'ai pris extrêmement clair.
Je ne sais pas du tout si vous le voyez. Et donc voilà. Donc voilà, vous nous faisiez tout là. Tous les petits carrés manquants à l'intérieur. Donc je vais colorier tout ça. On se retrouve tout de suite une fois que j'aurai colorié tout ça. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc je viens de terminer l'œuf de l'Oslo. Alors ça vous donne ça une fois terminé. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas à la liker et à la partager. C'était Aeroncraft. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!